Salut, salut, bienvenue sur la chaîne Info Assist d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application vraiment tellement secrète que je sais que vous allez me donner assez de likes en bas de cette vidéo car je sais que l'application va vous plaire. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, voilà, de vous abonner et aussi d'activer la petite cloche pour recevoir toujours mes vidéos en avant-première. Comme vous le savez déjà, j'ai commencé cette semaine une série d'applications secrètes, voilà, que je balance. Aujourd'hui, nous sommes à la troisième application secrète que nous allons découvrir aujourd'hui. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment il est possible de télécharger l'application, mais on va voir ensemble l'application secrète dont je vous parle. Voilà. Donc, cette application-là va vous permettre vraiment de ne plus vous rendre chez un infographe. Pour ceux qui regardent cette vidéo qui sont infographes, vraiment, je suis vraiment désolé, car je sais que vous allez me détester juste après cette vidéo, mais bon, je fais juste des tutos pour aider mes abonnés. Voilà. Donc, comme je disais, avec cette application là, l'infographie et vous, ça sera deux. Si vous avez un travail d'infographie, vous avez un travail pour faire une affiche, vous pouvez le faire très 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 rapidement avec cette application là car elle comporte assez de tout. Si vous avez des connaissances qui veulent créer un logo, qui ne savent pas comment s'y prendre, si vous avez une connaissance qui veut créer une affiche pour son église mais la connaissance ne sait pas comment faire, si vous avez une connaissance qui a une école qui veut faire des petits flyers pour son école mais la connaissance ne sait pas comment s'y prendre, cette application regroupe tout ça, je vous dis les amis. Avec cette application, c'est avec cette application que j'ai fait mes montages lorsqu'on a des sorties et tout, et c'est vraiment professionnel. Donc là, je vais vous montrer les différents montages que j'ai eu à effectuer avec cette application. Je vais aller rapidement car je suis à 10%. Voilà. Vous allez voir les différents montages que j'ai eu à réaliser avec cette application. Et là, je fais tous mes montages avec cette application, vous voyez. Et là, c'est quelqu'un qui m'a demandé, c'est une amie qui m'a demandé pour son magasin. Elle avait besoin d'un logo et je suis venu le faire directement grâce à cette application. Et là, vous n'avez pas besoin de vous connaître une infographie. Vous voyez comment c'est joli. Voilà. Donc, vous pouvez même proposer vos services à des entreprises. Voilà, vous pouvez même proposer vos services à des entreprises qui veulent la réalisation d'un logo. Vous allez vous proposer pour exécuter ce logo pour eux en moyennant une somme. Voilà. Et là, je vous dis, pour faire ça, vous n'avez pas vraiment besoin de vous connaître une infographie. Là, c'était pour la fête de Ramadan, vous voyez. Il y a assez de tout. Il y a assez de tout avec cette application-là. Vous pouvez même créer des trucs de restaurant et tout. Et c'est vraiment très, 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 très facile. Vous voyez, c'est l'application phare que je prends pour créer mes différents montages. Donc lorsque vous venez dans l'application, vous allez venir dans My Stuff, vous allez choisir un peu la catégorie que vous voulez vous mettre. Si vous voulez plus des flyers pour votre église par exemple, pour votre église, vous allez venir dans Church ici. Si c'est plus pour un summer party, c'est-à-dire une rencontre entre amis, party et tout. Il y a les small business, il y a pour les anniversaires. Si vous voulez souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un de manière plus professionnelle, vous allez venir dans Birthday ici et vous allez choisir un modèle qui vous plaît. Voilà, un modèle qui vous plaît. Tout ce que vous voyez ici est personnalisable. Tout ce que vous voyez ici est personnalisable. Il y a même ces états avec la différence photo et tout. Voilà, donc on va choisir un ensemble et on va le faire. Par exemple, si vous voulez faire par exemple avec ça, voilà, Customized Template. Je vais vous montrer comment ça se passe et je vais vous montrer aussi comment créer aussi des logos pour proposer vos services à des entreprises. Donc, vous appuyez tout simplement sur la photo que vous voulez modifier. Vous appuyez sur Remplace et vous voyez dans My Photo par exemple. My Photo pour faire une image. Par exemple, je vais prendre une photo. Par exemple, ma photo ici. Voilà, je choisis ma photo. Voilà, tout simplement. Et je vais recadrer un peu. Bon, je peux laisser dans le crop, c'est pas grave. Et voilà le résultat. Il ajoute tout juste ici et ça fait un très bon design. Appuyez ici, je mets mon nom. Vous appuyez tout simplement sur le truc pour modifier. Au lieu de Juliana, je mets Amé, tout simplement. Et si vous mettez vos petits messages, tout simplement, vous supprimez. Pour modifier, il suffit tout simplement d'appuyer dessus. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, info. Et astuce d'Abidjan, même si mon anniversaire est le 11 septembre, n'oubliez pas, le 11 septembre, c'est mon anniversaire. J'attends vos différents messages. Voilà, joyeux anniversaire, info et astuce d'Abidjan, le 11 septembre. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez recadrer un peu l'image. Et voilà, pour télécharger, c'est tout simple. Vous appuyez sur les trois points ici et download, tout simplement. Voilà, download.
et vous appuyez sur Download, et là, ça vient directement dans votre galerie, tout simplement. Ça vient directement dans votre galerie. Et là, c'est... Ici, on a juste créé pour l'anniversaire. Vous pouvez créer aussi pour les différents logos. Voilà, pour les différents logos, on va faire retour. Voilà. Pour créer un logo, ici, c'est le menu. Si vous êtes plus dans un restaurant et vous avez des idées de menus, par exemple, pour proposer les menus ou bien des vidéos à vos différents clients, il y en a de tout ici, je vous dis. Si vous êtes plus cocktail, pour modifier, c'est tout simple. Vous venez, vous appuyez dessus. Vous appuyez dessus tout simplement. Customer Place, ça c'est une vidéo qu'on va modifier ensemble. Voilà. Vous voyez, vous pouvez proposer vos services à des restaurants pour dire que vous allez faire la publicité. Ça vous fait de l'argent. Voilà. Ici c'est Stay Home pour dire qu'ils doivent rester à la maison. Vous êtes un service de livraison par exemple. On appuie dessus. Où c'est marqué Stay Home, vous supprimez tout simplement. Voilà. On va descendre. Voilà. Vous venez à la fin, vous supprimez Stay Home. Voilà, tout ce qui est là est modifiable. Hein. Info et astuces d'Abidjan. Oui, ça affiche en haut. On va diminuer un peu la taille de l'écriture. Voilà. Voilà, 6. On va diminuer un peu. Non, c'est trop. Info et astuces d'Abidjan. Voilà. Vous voyez, tout est vraiment modifiable. Voilà, on descend. Et voilà le résultat. Voilà, info et astuces d'Abidjan, deliver. Ça aussi, vous pouvez modifier. Vous pouvez modifier tout ce qu'elle a. Deliver, vous modifiez ça. Ici, vous modifiez l'écriture ici. Vous ajoutez votre logo, promotion. Vous pouvez modifier les 30%. Vous pouvez mettre un prix. Vous pouvez mettre l'image de ce que vous proposez. Si c'est par exemple un plat. Par exemple, un plat que vous voulez proposer pour dire qu'il y a une réduction sur le plat, vous mettez juste la photo du plat ici et vous mettez le prix dans 30%, vous mettez le prix et vous mettez le prix et ça vous fait une jolie image, votre numéro en bas, votre page ici et ça vous fait une jolie image de présentation. Donc, vous pouvez proposer vos services à des clients. Comme je l'ai dit, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout sur cette application, que ce soit pour les restaurants, que ce soit pour les anniversaires, que ce soit pour les fêtes et tout. Vraiment, avec ça, vous n'allez absolument plus voir un infographe. Voilà. Vous n'allez plus voir un infographe que tout ce que vous cherchez se trouve ici. Tout ce que vous cherchez se trouve ici. C'est réparti en catégories. Voilà, c'est réparti en catégories pour les car wash, c'est-à-dire pour les entreprises qui font des lavages de voitures. Il y en a de tout, il y a islamique, il y a vraiment de tout. Donc, pour télécharger l'application, c'est tout simple. Vous allez venir sur Play Store. Vous allez venir sur Play Store ou Apple Store, ça dépend du téléphone que vous avez. Moi, j'ai Play Store. Et vous allez écrire Post My Will, qui est juste ici. Post My Will, et vous allez voir l'application. Vous allez télécharger l'application et vous allez avoir tout ce contenu-là. Donc, j'espère vraiment que vous allez utiliser cette application à bon escient. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour plus référencer cette vidéo et de partager la vidéo aussi sur vos différents réseaux sociaux. Portez-vous bien, on reste ensemble.